Il y a certains gens encore qui ont donné les crânes. Il y a encore les gens qui ont donné les crânes, beaucoup, beaucoup. Et qui vont qu'on détruise. Ils sont rois avec les crânes. Quel est le premier chiffre? On a dit que, vous comprenez, on a dit que sur les Bamélékés, le cas là-bas représente les crânes, c'est ça? C'est vrai? C'est vrai? Vous ne parlez plus? On n'est plus ensemble. Si on est ensemble, je veux voir les mains haut. Les sacs là-bas avec l'argent. Les gens vont vivre comment, non? Watch this, people of God, watch this. Watch this, watch this going on right now. After the word of God, God's people have brought their evil altars and their evil God to be destroyed to the God of our Lord Jesus Christ. Clap for Jesus, clap for Jesus. Clap for Jesus. Power in the word of God. Power in the word of God. The word of God has uncovered what was covered in the life of God's people. La parole de Dieu a exposé tout ce qui était couvert dans la vie du peuple de Dieu. Through the word of God. Par la parole de Dieu. They have now brought their evil gods. Ils ont maintenant amené leurs idoles. To be destroyed. Afin qu'elles soient détruites. So that they can worship Jesus Christ of Nazareth. Pour qu'ils puissent mieux adorer Jésus-Christ de Nazareth. In spirit and in truth. En esprit en vérité. Love for Jesus. Acclamez pour Jésus. The crusade continues. La croisade continue. As the man of God continues to tour the nation. Pendant que l'homme de Dieu commence à faire le tour, continue de faire le tour de la nation. After Bafoussam, après Bafoussam, Buddha, Buddha, Chang, Chang, here we are. Ici nous sommes. And the Lord is doing His great and mighty works. Et le Seigneur fait des merveilles. In the life of His people. Dans la vie de son précieux peuple. Bible recorded. La Bible enregistre. In the book of Acts. Dans le livre des Actes. Chapter 19. Chapitre 19. That after ministration by the word of God. Qu'après le message par la parole de Dieu. Through Apostle Paul. Par l'apôtre Paul. God's people brought their evil magical books. Le peuple de Dieu a mené leur idole maléfique. And their evil God. Et leur Dieu. To be destroyed. Pour qu'ils soient détruits. You can see that one happening here on earth. Vous pouvez voir cela ici manifeste you ici sur la terre. You can see it happening in life. Vous pouvez le voir ici et Jesus is alive. Jésus est vivant.
Jésus. Acclamez pour Jésus, acclamez pour Jésus. If only you can believe. The si Bible vous pouvez says, croire, la Bible dit. If only you can believe. Si et seulement si vous pouvez croire. What you wish. Ce que tu souhaites. De Dieu. And by themselves. Et par eux-mêmes. They have gone to the houses. Ils sont allés chez eux. And discovered that these gods that were there. Et ont découvert que ces dieux qui étaient là. Never served them. Ne pouvaient pas les servir. They have not done them any good. Et ne leur ont rien fait de bien. They were still suffering from challenges. Ils souffraient toujours des défis. They still have untimely death in the families. Ils avaient toujours la mort prématurée they dans la famille. They still have sicknesses in their life. Toujours des maladies qui affligeaient leur vie. But these gods will never defend them. Ces dieux ne les a jamais défendus. Their children cannot get married. Les enfants ne peuvent pas se marier. Their businesses cannot prosper. Les affaires ne peuvent pas prospérer. Problem every day. Les problèmes tous les jours. But these gods were there in their houses. Mais ils sont venus ici aujourd'hui. And doing the word of God. Par la parole de Dieu. They have decided to try. Ils ont décidé d'essayer. Amen. Amen. Clap for our Lord Jesus Christ. Acclamez pour notre Seigneur Jésus-Christ. Okay, let's hear from one of them. Okay. Qu'on entende d'un d'entre eux. Pourquoi tu as décidé d'amener tous ces sales tics-ci? Pourquoi tu as décidé d'abandonner? Oui, moi c'est Joconde Inès. Si j'ai décidé d'amener toutes ces choses devant vous aujourd'hui, c'est parce que ça n'a qu'apporté des malheurs dans ma famille. Les gens meurent, les meurent précoces. Les gens meurent, ça rend les gens aveugles. J'ai trois tantes qui sont morts aveugles à cause de ces choses. Nous tous dans la famille, nous fréquentons, mais nous n'avons pas le travail. Nous trouvons l'homme, mais il ne vient pas nous doter. Celui qui insiste pour venir nous doter, on le renvoie. Et en plus, il part, ses finances disparaissent. Tout ça à cause de ces trucs sataniques. J'ai décidé d'enlever tout ça dans ma famille. Afin de libérer ma famille. Clap for Jesus! Acclamez pour Jésus! Clap for Jesus Christ. Acclamez pour Jésus Christ. Ça, c'est leur Dieu qu'ils ont enlevé. C'est ça, non? Maintenant, ils ont abandonné ces choses qui étaient comme leur Dieu. Ils s'attachent maintenant au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Si j'ai décidé de détruire ces choses, parce que j'avais une vision, Dieu m'a montré que c'était plutôt des serpents. Et moi, je suis allé à la maison ramasser ça. Et j'ai vu un homme de Dieu est venu me parler de ça. Il faut amener l'homme de Dieu à la maison pour ramasser ces choses. Bon, je ne savais pas comment ça devait se passer. J'ai prié que Dieu amène son serviteur qui peut détruire ces choses. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut détruire ça. Et Dieu l'a fait. Vous voyez, ma mère est assise là-bas. Son mari a la même chose. Son mari souffre à la maison. Elle-même, elle ne marche pas. Elle est paralysée depuis 20 ans. Elle ne marche pas à cause de ces histoires. Et il y a quelque chose ici, chez nous, les Bamiléquins. Quand on accouche un enfant, au lieu de le sacrifier à Dieu, au lieu de lui consacrer à Dieu, on va consacrer à ses crânes. Et il y a cette chose-ci qu'on appelle les peaux là. C'est là où nos agents se cachent. Parce que quand on danse les danses des jumeaux là, on met ton agent là-bas. Et ça oh. Parle. Oh. There's money inside. Alléluia. Dieu est Dieu. Je crois qu'à partir de ces choses, ma famille sera libérée. Et je rends grâce à Dieu parce que cet homme, je ne le connais pas. Je n'ai jamais été dans son église. Mais par la grâce de Dieu, j'avais prêché à une. Parce que moi, je suis évangéliste. J'avais prêché à une dame. Elle a cru. On l'appelle Marie-Pascal. Je crois qu'elle est ici. C'est à partir d'elle qu'elle m'a connecté à cet homme de Dieu.
Et j'étais surpris d'arriver, qu'ils arrivent ici, ils me mettent dans la caravane et que je prêchais en Yemba. Et nous avons fait tellement de tout. Et je crois qu'à partir de ça, ma famille sera libérée. Amen. Love for Jesus! Acclamez pour Jésus! Power of God! La puissance de Dieu! Et pour vous aussi, votre famille sera libérée. Si vous avez amené tout ça, c'est encore à la maison. Ok, oh. Ta famille est libérée. Famille de qui? Famille Manchetti. Famille Manchetti est libérée. Amen. Famille de qui? Famille Choconte. Famille Choconte est libérée. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Famille Choconte est libérée. Amen. Famille Manchetti. Manchetti est libérée. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Thank you, Lord. Regardez cette délivrance. Relâchez de la prison des crânes. Watch this deliverance. Regardez cette délivrance. Watch this devil of God. Regardez ce type de Dieu. Esprit à l'œuvre. Au nom de Jésus. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Esprit. Il est libéré. Lève-toi. Je prie maintenant pour la famille. Appelle le nom de ta famille. Regarde ici. Appelle le nom de ta famille. La famille Manchetti. Regarde ici. Famille Manchetti. Appelle ça bien. Manchetti. Manchetti. Famille Manchetti, soyez libérée. Amen. Watch this deliverance. He is standing the gap for the entire family. Il se tient la prêche pour sa famille entière. He has taken this step for the entire family. Il a pris ce pas courageux pour sa famille. And right now his whole family is being liberated. Et sa famille est libérée. Clap for Jesus. Clap for Jesus. Acclamez pour Jésus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Clap for Lord Jesus Christ. Acclamez pour notre Seigneur Jésus Christ. Ok. D'accord. Blood of Jesus. Le sang de Jésus. 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 In the name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus Christ. All you scores, powers of scores. Puissance des crânes. Powers of the dead people. Puissance des morts. We render you powerless. Puissant de quoi que ce soit, nous sommes les familles que vous holding. Take them away from your hand. Nous laissons. By the blood of the Lamb. Par le sang de l'agneau. By the blood of Jesus. Par le sang de Jésus. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. That was on the cross of Calvary. Qui était versé à la croix du calvaire. Was to liberate these people. A été pour la libération de ce peuple. And took away captivity from them. Et d'ôter la captivité. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Sors, 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 sors. Qui es-tu? Qui es-tu dans vos vies? Qui es-tu? Parle vite. Qui? Tu ne parles pas. Parle pas. Qui es-tu? Je ne dis pas. Tu ne dis pas. Feu. 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 Qui es-tu? Où are you? Et qu'est-ce que tu as fait? Je ne dis pas. On arrête ton cou. J'arrête ton cou. I hold your neck. J'appuie ton cou. I press it. J'appuie ton cou. I press your neck. J'appuie ton cou. I press your neck. Je serre ton cou. I fasten your neck. J'appuie. I hold it. Je serre. I fasten. Je serre. I fasten. J'appuie ton cou. I hold your neck. J'appuie. I hold it. Chaque jour, je vais te tenter. Je vais tout te tenter, mon Dieu, tu m'as pris. Pourquoi? Je ne dis pas. Chaque jour, tu vas pas. Chaque
Chaque jour tu viens faire quoi? Chaque jour tu viens faire quoi? C'est la rue. Je vais te tenter. Je vais te bouquer de papa l'église. Et pas! Même si les 15 et pas! Et pas la recherche quoi? Et pas chercher quoi? Donc tu ne vas pas qu'elle parle à l'église. Il y a quoi à l'église? Son grand-père n'y est pas touché les plaintes. Toujours à cause de son église là. Toujours à cause de ça. Donc son grand-père veut partir chez les blancs. Toujours à cause de son église là. J'ai même bloqué l'école. J'ai fait tout. J'ai été rendu zéro. J'ai tué les mains, j'ai tué les mains. J'ai pris les pieds. Je ne veux pas que c'est volu. Parce que tout ça est que ce sont les villages. Je ne vais pas les laisser. Donc l'église te bloque. Quand il prie, ça te bloque. Tu n'arrives pas à faire ce que tu veux faire là. Après, c'est pour ça. Vous voyez donc l'importance de l'église. Applaudissez encore pour le Seigneur. Et c'est les gens de tradition là. Les gens de tradition, les vieux papas là. Les gens, les mamans là qui ne veulent pas que vous progressiez. Qui vont vous dire que ne partez pas à l'église. Parce qu'il sait que quand vous partez, vous priez, il ne peut plus toucher vos vies. Tu as compris, non? Que son blanc, grand frère veut partir maintenant chez les blancs. Ça veut dire qu'il avait bloqué le voyage de son grand frère. Mais à cause de prière, ça s'ouvre. Mais comment on est en train de prier aussi pour vous à s'ouvrir? Amen. Je prie pour vous, je prie pour vous. Tu as encore fait quoi à la famille? Hein? Alors, on te voit. Tu as pris quoi? La sagesse. Tu as pris la sagesse. Surtout celle-ci-là. Celle-ci-là. Ouh! Ouh! Les copains connaissaient, hein? Mais que. Tu as pris le quoi? Tu as pris le quoi? La sagesse. Pour faire quoi avec? Pour être intelligent. Tu as pris la sagesse pour faire quoi avec? Pour donner à mes enfants pour ne pas être à l'école avec. Hein? Celle-ci-là. Hein? C'est un milliardaire qui a couché là. Je ne peux pas. Dans ce fil. Tu es sa tante. Sa tante. Oui. Tante. Oui. Tu es dans quel village? Ici, il y a des holies à notre toit. Voyez-vous, on empêche de parler. Tu vois comment la reine ne pas parler. Tante. Tu es dans quel village? Le nom c'est quoi? C'est quoi? Massou quoi? Ma? Massou. Massou c'est où? Massou c'est où? Il n'y a pas de chan ici. Oui, c'est pas sous le quitté. Si tu es chan ici, je vais voir ta main. Attends, les chan qui sont ici là, je vais voir les mains en haut. Basu c'est où? Abafan. Basu. Tu as dit Basu, non? Hein? Basu. Oui. Basu c'est où? Abanta. Abanta. Oui, laissez ma main. Basu t'a
tenté d'arrêter ta main. André, je frappe ta tête. I knock your head. André, je te coule par le feu. André, I knock you by fire. Je te coule par le feu. André, je t'appelle. André, viens ici parler. Vite, je te couvre par le feu. André, viens ici par le feu. Oui, André. Oui, André. Où est André? Il est chez lui. Voilà. Quel est son problème? Il veut quoi? Il ne veut pas venir. Hein? Il ne veut pas venir pourquoi? Oui. C'est lui qui m'a donné les plans qu'on appelle les enfants là, eux qu'ils ont tués. Qu'on appelle les enfants là, eux qu'ils ont tués. Pour leur donner les papiers de leur maison et tout. C'est que leur père les ont tués. Mais la fille, ils refusent toujours. Ils refusent des faits de leur papa ici. Hein? Quand elle parle, on écoute. Quand elle parle, on écoute toujours. Mais c'est André qui fait quoi? Il a dit qu'il vient ici. Andant plus bien. Pour que l'on leur remet les papiers des maisons de leur père, tous les biens que leur père a fait, on a pris, on les donne qui viennent prendre. Comme ça, on les tue, on les donne le poison. Mais celle-ci a toujours refusé, on a ses frères, toujours son frère de partir. Que bon, André veut venir prendre les papiers des maisons des enfants, de leur père. Non, c'est un plan pour les tuer, non. C'est pour les tuer. Et pour prendre les biens. Oui. Oui. C'est tout pour qu'il ne parle pas chez les blancs. Parce que s'il parle chez les blancs, c'est qu'il va rester à l'école, il sera un milliardaire. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Tout ça, j'ai pris. Son école, j'ai pris. Mes enfants sont très loin aujourd'hui. Grâce à elle. Vous utilisez les crânes là pour faire quoi avec? Les crânes là, c'est pour faire quoi avec? Ça là. Vous utilisez les crânes si pour faire quoi avec? Voilà, on te voit. Pour détruire les gens de la concession. Hein? Il y a même ma cousine, que j'avais même tué son mari. Hein? On m'a amené là où on joue là. Je suis passé dans la maison des crânes avec la calebasse. J'ai cassé ça là-bas. J'ai parlé là-bas. Hein? Tu as parlé où? Dans la maison des crânes. Dans la maison des crânes. Tu as parlé là-bas. Oui. Tu as cassé. Ça, oui. Pourquoi? Donc c'était seulement pour montrer que je n'ai pas tué son mari, non? Et pour les bloquer eux tous. Mais comme elle avait dit qu'elle n'est pas allée sur ça, quand on laisse même son attirant, son n'a pas tué, ça ne va pas ramener son mari. Maintenant, tu dis que vous utilisez le crâne là pour faire quoi? Pour détruire les gens, les enfants là, surtout eux quatre là. Parce que quand le terre est mort, d'abord on a pris sa tête à les mettre dedans. C'était pour les invoquer, pour qu'ils viennent là où nous cherchons, là où nous sommes. Hein? Le maire a fui, parce qu'ils l'ont avec eux. On les tuait. Quand on a tiré le maire, nous sommes partis alors là-bas pour amener les enfants là chez nous. C'est comme ça que leur école s'est arrêtée. Oui. Ouais, appelez André. Ouais. Appelle André. Ouais. On veut André ici là. Ouais. Appelle André. Quoi faut André? Hein? Il ne vient pas. Il dit qu'il ne vient pas. Oui. André. C'est où d'accord? André. Abbas. Il est Abbas. Il a deux dans sa maison. Il a deux. Oui, il a couché dedans. Il est couché dedans. Oui. Qu'est-ce qu'il fait coucher? Hey, le feu que l'angoisse, le feu que la fille s'envoie chaque nuit. Ha! André. Yeah. André, c'est où? Ah, c'est là où le quartier où mon petit frère reste. Oui. Teke, ma fille s'est envoyée au feu. Ça l'a rendu très malade le pied. Teke, c'est Siachang. C'est à Banja, dans le village. Teke, c'est à Banja. Oui. André, à Teke. André, le feu te prend. Fire Kassou. Le feu te prend. Fire Kassou. Fais là-bas. Fire Kassou. C'est qui? Parle maintenant.
C'est toi qui? Michel. Où est André? I am Michel. Where is André? Il est chez lui. Il est chez lui. Oui. Est-ce qu'il arrive maintenant? In his house. Oh. Regarde bien, qu'est-ce qu'il arrive? Regarde bien. Yeah, he's looking. Regarde bien. Regarde dedans. Tu as vu? Je ouvre la porte et tu regardes. Vois l'homme, André. Tu as vu maintenant? Je ouvre. Tu as vu maintenant? Regarde bien. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il est couché. Il est couché. Oui. Tu as vu André? Oui. Tu as vu maintenant? Oui. Il est couché. Oui. Uh-huh. Il est couché. Hein? Oui. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Le foyer a brûlé. Tu as vu maintenant les sorciers. Mais on n'a pas déclaré que quelque chose arrive à André. On a seulement arrêté André. Il faut qu'il vienne se repentir. Amen. André, va te repentir. Lève-toi. Tu cherches là où il y a Dieu, tu vas te repentir. Amen. Voilà. Michel, oui. Qui es-tu pour la fille? Oui, c'est son beau. Son beau? Oui, c'est moi qui est parti chez eux pour la chercher. C'est toi qui es parti chez eux? Oui. Uh-huh. Ok. Donc, qui t'a amené dans elle? C'est tante ou c'est qui? Moi, je l'ai appelé chez moi hein, pour qu'elle vienne prendre la nature que sa belle-mère a envoyée. Uh-huh. Elle est même là. Uh-huh. Uh-huh. Quand elle est venue? Elle est venue. J'ai appelé sa belle-mère, j'ai dit à sa belle-mère qu'il faut qu'elle dorme. Parce qu'elle ne dort même jamais. Elle n'aime pas dormir chez quelqu'un. Uh-huh. J'ai appelé sa belle-mère. Uh-huh. Fait tout jusqu'à elle a dormi. Uh-huh. Dans la nuit, elle se lève et ne fait que du feu, feu, feu. Partout dans ma maison, le feu, le feu, le feu. J'ai refusé de rentrer chez elle. Elle a brûlé toute ma maison. C'est quoi ça de femme que tu allais chercher? Oui! J'ai pris la pour donner à mon enfant! Hein? Elle est venue seulement garder! Je l'appelle, je fais tout pour qu'elle dorme là à la maison, elle ne fait que du feu, feu, feu! Elle vient brûler ma maison! Hein? Elle brûle la maison de qui même? Je suis entrée dans elle! Tu es entrée dans elle? Oui! Jusqu'à te parler, puisque tu connais là où tu parles! Tu parlais ici fort! Mais tu as dit qu'elle parle, non? Ok, voilà! Hein? Tu as dit que je parle. Voilà. Mais tu sais que tu dois suivre les ordres, non? Hein? Tu sais que c'est grave, non? Tu ne connais pas? Je compte à toi avec la mâteau. Je compte à toi. Michel! Michel! Tu sais que c'est grave? Tu as déjà véhiculé ça un jour? Hein? Non. Hein? Il n'y a pas les gens de dans ma famille, hein. C'est la salle. La fille, si. Oui, oui, oui. Le feu. Voilà. Le jour Michel, tu as pris le feu dans arrête. Tu as pris ta puissance où, Michel? À la Hein? Chefferie Bancui. À la chefferie Bancui. Oui. Donc, c'est à la chefferie que tu as pris ta puissance. Oui. Chefferie. Chefferie, oh chefferie. Vous voyez? À la chefferie, vous faites comment pour avoir la puissance? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Expliquez. Là-bas. Hein? On a l'hôtel de. Quoi? On a la maison de Cannes. Oh! À la chefferie. À la chefferie? Oui. Vous utilisez le crâne là-bas pour quoi? Pour bloquer les enfants. Surtout la femme qui est assise là. Uh-huh. Sa belle-mère là. Oui. Sa belle-mère là. Oui. Donc vous utilisez les crânes-ci, oui. Les crânes-là, oui. Ces crânes-ci là, vous utilisez pour faire comment? Pour détruire tout. Parlez haut de voix. Pour détruire les enfants de la concession. Pour détruire les femmes? Les enfants. Les enfants de la oui. Concession. Oui. Vous utilisez les crânes-là pour détruire les enfants de la concession. Oui. Il y a quoi sur les crânes-là que vous envoyez que ça détruit? Il y a quoi?
C'est les choses qui nous donnent pas là-bas. Les incantations. Qui? Les enfants. Uh-huh. Vous partez faire les incantations où? Dans la maison des crânes. Dans la maison des crânes. Oui. Quand vous faites les incantations, uh-huh, qu'est-ce qui arrive maintenant? Vous envoyez qui allait détruire? On envoie le serpent. Ça passe, ça mange les choses petit à petit. Ça mange son argent. Donc sur le crâne là, il y a les. Sur le crâne là, il y a les serpents là-bas. Hein? Il y a beaucoup d'animaux là-bas. Sur le crâne. Donc dans la maison des crânes, il y a les quoi? Voilà, on te voit. Il y a les animaux. Il y a les animaux. Comme lequel? Le serpent. Le serpent. La panthère. La panthère. Le singe. Le singe. Oui. Même son père ne vieillit jamais. Il est toujours jeune. Même son père ne vieillit jamais. Uh-huh. Il est toujours jeune, pourquoi? Son beau-père. Son beau-père. Son beau-père. Le mari de la femme là. Oui. Uh-huh. Ça ne vieillit, il ne vieillit pas. Oui, il est toujours jeune. Pourquoi? Mais il a beaucoup d'enfants. Il les suce. Il les suce. Ils sucent les enfants. Oui. Pour rester jeune. Oui, oui. Ils sucent quoi? Le sang, bien sûr. Ils sucent le sang. Oui. Ils tuent aussi. Ouh. Hein? Vous tuez aussi. Oui, oui, oui. Hein? Oui. On tue. On tue. Est-ce que c'est moi qui dis? Quand je prêche ici, j'ai prêché hier, l'autre jour, mais quand je prêche, je vois les gens me regardent comme je suis contre les traditions. Je suis un homme de Dieu, je suis venu vous dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Ce n'est que Dieu seul qui peut vous dire la vérité de la vie. Clap for Jesus, clap for Jesus. Imaginez donc les différentes maisons qui sont pleines avec les crânes partout. Regarde comment la population souffre. Regarde comment la population souffre. Maintenant, vous êtes à combien dans elle? 4. Vous êtes à 4. C'est qui et qui et qui? Il y a moi. Il y a moi. Hein? Mm-hmm. Il y a une femme marabout là. Mm-hmm. Oui, parce qu'elle ne partait jamais chez le marabout, mais quand elle dormait pas la nuit, sa tante s'y a pué sa tête. Mm-hmm. Elle a pué sa tête, a pué son cou. Elle était obligée de. Quand on l'a dit, allons, elle aussi partie. Celle aussi, elle est. Donc, c'est quand elle est partie chez le marabout que le marabout l'a hanté. Oui, oui. Donc, le marabout est présentement là. Oui. Marabout, viens devant. Marabout! Femme marabout! Appelle-la de venir devant. Marabout! Évelyne, viens. Pourquoi t'appelles ici? Viens, toi aussi, non? Ouais! Évelyne, viens. Ouais, viens goûter. La fille, c'est forte. Grette. On fait tout. Elle jette la lame chaque jour. Elle a fait comment pour venir ici? La fille, c'est forte. Non. Évelyne est où? Elle est là. Elle ne vient pas. Évelyne, oui. Je t'arrête, je te tire devant. Viens devant! Viens devant vite! Viens devant! Évelyne, prenez vos bagages ou partez. Debout! Prenez vos bagages. Hein? On parle que tu nous envoies où? Vous partez en enfer. On voit que tu ne nous connais pas. La Bible si. Tu dis que quoi? La Bible dit que la main de Dieu. La main droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Et ça détruit les ennemis de Dieu. Quand ça te touche, vous tous, ça vous dépièce. Commence à prier vos bagages. Tu dis quoi? On ne parle pas en enfer. On ne parle pas. Nous tous, on ne parle pas en enfer. Il y a quoi là-bas? Que vous fuyez? Tu connais l'enfer? Vous connaissez l'enfer? Parle. Ouh. Tu connais l'enfer, hein? C'est comment? Expliquez. Ouais, tu veux qu'on libère les gens, c'est pourquoi? Il y a quoi l'enfer? Expliquez. Il y a quoi là-bas? Il y a quelqu'un de feu qui a là-bas. Hey. L'enfer, tous les quatre enfants, ils seront bien. Hein? Les deux. Hey. Donc, tu connais bien l'enfer qui a le feu là-bas? Je vois le feu. Que je...
mettez debout. Le feu, c'est fire, yeah, fire. Le feu. Debout, vite. Mettez debout, vite. Sortez vite. Mettez debout. She's crying, doesn't want to go to hell. Ok, vous avez déjà laissé, mais vous ne voulez pas aller à l'enfer. Qu'est-ce qui te conditionne? Qu'est-ce que tu vois? Et tu sais que ça va t'envoyer à l'enfer. Qu'est-ce que tu vois? Tout le mal que j'ai fait aux enfants, si. Voilà. Donc tu sais que le mal vous amène à l'enfer. Ok. Est-ce que vous pouvez aller vous repentir maintenant? Vous allez partir à l'église, vous repentir? Non. Ok, vous partez alors en enfer. Tu choisis laquelle? Je ne pars pas. Tu ne pars pas? Le feu. Hey! Le feu. Hey! Le feu. Hey! Le feu. Hey! Fire. Le feu. Hey! Vous allez sortir. Feu. Hey! Maintenant, vous êtes prêts pour partir? Oui. Allez. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Allez. Merci. Vous allez? Merci. Vous allez? Oui. Vous allez partir? Hein? Que je ne viens plus? Oui. Pourquoi? Oui. Quand je viens, il y a quoi? Quand je viens, il y a quoi? Il y a le feu. Oui. Prends tes bagages. Oui. Enlève tout ce que tu as mis dans la famille là. Vous avez enlevé? Enlève tout. Dis va. Enlève tout ce que vous avez mis dans la famille pour détruire les enfants. Enlève. Hein? Commencez à enlever tout. Enlève. Tu avais mis quoi sur la face? Le masque. Elle est favorisée. Même pas ça va lui donner l'argent. Elle a trop la chance. La fille ici. Tu avais mis le masque sur sa face? Oui, j'ai mis le masque sur sa tête. Dans son oreille là, il y a mon antenne parabolique. Il y a ton antenne parabolique sur son oreille pour écouter les choses. Oui, quand elle parle à l'église, j'enlève. Quand elle parle à l'église, tu enlèves. Pourquoi elle fait même 5 jours, 5 jours comme ça? Elle même samedi comme ça là, je la tais. Elle est fatiguée, elle dort. Elle se débrouille, elle ne lit pas sa Bible, elle dort. C'est là où j'enlève mon antenne parabolique. Avec même l'eau qu'on avait mis dedans. On enlève nos antennes. Parce qu'elle a trop la jambe que tout le monde a mis là. Oh, hein? Tu ne me perds pas le temps. Vas-y vite. Oui, elle a. Il a mis quelque chose ici dans son ventre pour boire son sang quand elle saigne. Donc elle saigne, ça vient petit comme ça. Je bois le reste. Quand elle saigne, ça vient petit comme ça. Oui. Tu bois le reste. Quand elle vient à l'église pour parler, elle oublie toujours. Quand elle vient pour parler à l'église, elle oublie toujours. Elle est blude. Oui, elle oublie même pour faire venir. Elle est blude. Oui, j'enlève. Tu avais mis quoi là-bas? Bon, c'est femme qui boit son sang pour qu'elle ne saigne pas là. Parce qu'elle saigne, elle lave ça dans l'eau, elle verse, elle garde le sang comme ça. C'est pour ça que j'ai mis là-bas pour qu'elle boit une fois. Donc, tu ne veux pas qu'elle verse et garde? Ça fait tant qu'elle saigne, elle enlève sa garniture. Elle met dans l'eau, elle lave un coup petit, elle verse le coco, elle verse. Hein? Tu sais, elle ne faisait pas ça, les choses, j'allais mettre mon serpent pour boire son sang. Donc tu devais venir sur son garniture. Elle est trop sage, elle est trop sage. Tu devais venir quand sur son garniture, sur ce le sang. Oui. Oui. Donc vous marchez parti, vous soucez le sang sur les garnitures des femmes. Oui. Hein? Oui. Dans son sang, elle saigne petit comme ça. Enlève. Et aussi la maladie là. Mais maladie où? Ici. Ici où? Parle. Ici comme ça. Où? Oui, ici. Où? Ici là. Tu me vois pas? Oui. Oui. Appelle le nom de la place, c'est quoi? Ah, toi aussi. Tu ne vois pas, dis donc. T'appelles quoi encore? Que je vois quoi? Tu ne vois pas là où j'enlève là? Moi et toi, on doit voir quelque chose. On est les amis. Tu as même une maladie là-bas. Ah, tu parles comme si tu ne connaissais pas. C'est moi, j'étais. Ah!
pas avec lui quoi là-bas. Devant Jésus, non, ça la gratte, ça la gratte, ça la gratte. Mais chaque temps, elle dit sang de Jésus, sang de Jésus. Elle lave, même dans l'eau pour boire, sang de Jésus. Même pour se laver, sang de Jésus. Même son enfant, sang de Jésus. Même l'homme là, sang de Jésus. Ça même quoi, ben la vie ici. Sang de Jésus, sang de Jésus. Sang de Jésus, par exemple. Donc, là-bas, tu avais mis quoi que ça donne la maladie? J'ai mis quelque chose là pour que ça la gratte, ça la gratte. Tu avais mis quoi? Il y a l'os du... L'os du... Le truc qui est au village, à la maison là, le singe là. Oui, j'ai mis ça là-bas. L'os de quoi? Du singe. Ça la gratte, elle dit sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Chaque temps, sang de Jésus. Dans la maison qu'elle avait dormi, sang de Jésus, sang de Jésus. Je viens pointer dans la maison, c'est où la bagarre. Hein? Elle dormait bien chez elle avec son enfant. Sang de Jésus partout. Mais... Le jour que je l'ai, je fais tout ça une fois de jour le samedi. J'entre quand même dans sa maison là. Mais la fille dit, dès qu'elle sent le, que quelqu'un entre elle, elle se lève tout le bout. Fire, 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 sang de Jésus. Fire, 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 ouais. Sang de Jésus. Arrête! Quand tu dis que tu avais, vous utilisez l'écran là pour faire quoi? Pour gâter les gens. Pour faire quoi? Pour gâter les gens. Pour gâter les gens. Oui, on prend vos finances. Vous souffrez, vous manquez de quoi manger chez vous. On gêne la maladie comme ça. Vous êtes là. Après, on attache les finances. Tu travailles, on ne te paye pas. Pour ce que le jour te donne, tu vois la vie avec ça fini. Tu fais quoi? Tu partages, tu bois la bière. Donc la bière, c'est ce que vous utilisez. Oui. Vous utilisez la bière. Pour prendre les finances des gens. Oui. J'ai mis ça sur son mari parce que. La viande chez elle. Tu as mis quoi? J'ai mis l'esprit de la bière. Il mangeait trop la viande. Chaque temps il achète la viande, il la donne pour qu'elle ne peut pas. C'est pour ça que j'ai... Tu ne veux pas que la fille se mange la viande? Oui, elle vit bien pourquoi? Elle vit bien pourquoi? Même ton mari. Oui. Son mari est ici. Non. Toi, tu mets la maladie, l'esprit de bière. Oui, même l'esprit de démangeaison. Sous son mari. Oui. J'ai même pris quelque chose sur sa tête là. Donc, quand tu parles, il se fâche, moins de choses, il se fâche. Il veut même la taper, mais comme il aime pour la fille, il ne peut même pas lever la main chez elle. Je fais tout pour qu'il la boxe, mais la fille, c'est la fille. Donc, tu sèmes la bagarre entre eux. Oui. Parce qu'elle est plus, je ne peux pas, je ne passe pas son mari. Donc elle prie, tu passes que par son mari. Tu passes que ce pas son mari. Et maintenant tu as mis quoi encore sur elle? Enlève tout ce que tu as mis. Tu as levé tout. Sur les pieds tu avais mis quoi? Tu avais mis quoi là-bas? Ah, tu crois que nous on voit tout? Jésus-Christ nous a montré tout. Tu as mis quoi sur les pieds? J'ai mis la chaîne là-bas. Voilà où tu vois? J'ai mis la chaîne. La chaîne là-bas. Oui. Pourquoi tu avais dit que tu as levé tout? Est-ce que tu savais que tu devais voir tout? Tu pensais que j'allais enlever tout par là où tu vois? Tu pensais que j'allais enlever tout par chaque enfant avec. Elle va rester sur tes souffrues, moi et pas en fait, je souffre aussi. Donc tu croyais qu'on ne va pas voir? Oui. Tu crois qu'on s'amuse ici? Allez! La chaîne là, c'était pour faire quoi avec? Pour l'enchaîner sur place. Après, elle fait comme ça, ton mari tourne la nourriture. Après, elle menace. Elle veut partir, je l'enchaîne sur place pour qu'elle souffre. Tu enchaînes sur place qu'elle souffre. Votre serpent là. Je détruis votre serpent là par le feu. Fire! Le serpent! Feu là-bas! Le panthère, pour le serpent là. Hein? Je remets sa sagesse, non? J'ai donné à Dani et à Mabel. Ils sont à l'université avec. Je remets. Tu as donné quoi? J'ai pris sa sagesse, j'ai donné à mes deux enfants là. Ils sont à l'université avec. Ils sont à l'université avec. Ils sont quand avec ça. Ils sont quand avec ça. Avec sa tête. Avec sa tête. Avec la tête de la fille. Donc, tes enfants n'ont pas la sagesse. Et tu as pris que la salle de la fille pour leur donner. Oui, et tous. Et tous. Mais c'est la plus sage. Elle est la plus sage. Elle est la plus sage.
Ok. Enlève. Remettez. Remets. Et garder. Quand j'ai pris la sagesse, c'est parce que je voyais qu'elle devait y partir chez les blancs. Mm-hmm. C'est pour ça que j'ai pris une fois la sagesse tout bloqué. Oui, c'est pour ça. Prends tes bagages, vous tous. C'est votre temps de partir. C'est le temps de partir arriver. Sortez. Je vous conditionne. Vous sortez. Maintenant, vous cherchez l'église et veillez. Vous vous repentez là-bas. Avant que je compte, toi, qui est le premier pour partir? Qui est le premier? Qui est le premier? André, le premier. André, sort au nom de Jésus-Christ. Qui est qui reste maintenant? Il y a Bami. Il y a Madeleine. Il y a... Évelyne. Ok. Debout, vite. Le deuxième, sors vite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sors. Jesus name. Troisième, debout vite. Qui reste maintenant? Et qui? Et qui? Vous restez à combien? Hein? À deux. Debout! Evelyne, sort! Evelyne, sortez! Evelyne, tu es marabout, non? Evelyne, tu es marabout. Expliquez comment tu fais ton maraboutage. Je lave les jambes. Par là où tu vois. Je lave les jambes. Tu laves les jambes? Oui, je lave les jambes. Tu laves comment? Les jambes, non. Donc, quand quelqu'un vient chez toi, il dit qu'il veut quoi? Mets tes mains là. Oui. Et tu expliques comment tu fais. Quand quelqu'un vient, assois-toi comme tu fais. Amène une chaise. Tu vas aller voir comment les marabouts là travaillent. Evelyne, assois-toi, tu expliques comment, quand les gens viennent, tu fonctionnes. Vite! Oui, quand il vient, je dis que... Par là où tu vois. Que son grand-père veut la chèvre. Sa grand-mère veut l'huile. Avec le sel, il faut qu'il tue le poulet. Elle fait un bon lavage pour être bien, pour ne pas souffrir. Je lave sa chance. Je prends sa chance. Il y a la reine-mère là qui... Par là où tu vois. Il y a la reine-mère qui prend la chance là. Elle... Quand tu le laves, que où? Je le lave dans... Il y a une place là que je le lave sur ça. Et se lave là. Donc, tu dis à quelqu'un que sa grand-mère veut quoi? Que sa grand-mère est fâchée, il faut qu'elle lance la poule. Il faut qu'elle tue le coq. Qu'elle boule la viande de la chèvre, elle lance. C'est comme ça alors que je fais, je le prends. Tu le prends? Oui. Et maintenant, quand tu le laves, tu dis que tu plutôt tu veux lui donner la chance. Oui. Et en faisant cela, tu fais plutôt quoi? Je prends plutôt la chance. Tu prends? Oui. Tu prends comment? Qui prend? C'est la reine-mère. Hein? La reine-mère prend comment? Quand c'est là où là, ça se verse là où elle est assise. Ça c'est là où elle se lave là, c'est là où la reine-mère s'assoit. C'est là où elle est. Donc, là où les gens se placent là, pour que tu les laves, en bas là-bas, il y a la reine-mère. Oui. Son royaume est là-bas. Donc, quand tu laves comme ça descend. Oui.
La reine n'a plus de chance. Elle me donne l'argent. Elle te donne quoi? L'argent. Parle-toi. Elle me donne l'argent. Maintenant, quand tu laves quelqu'un, une seule personne, la reine te donne combien? Même 500 000. Même combien? Même 500 000. Les autres, c'est combien? Ça dépend. Ça dépend de ce que la personne a. Ça dépend. On paye en fonction de la chance de la personne. Mm-hmm. Donc, il y a les gens avec les grandes chances. L'autre avec les petites chances. Oui, comme la fille. Mm-hmm. Donc, il y a les chances qui coûtent combien? Moi, 1 million. Pour la fille, c'est m'a coûté cher. Hein? Mm-hmm. Comme combien? Oui, la fille, c'est... Maintenant, la reine, mais elle vient te donner l'argent physiquement ou spirituellement. Et oui. Où, à quelle heure? Elle me donne l'argent spirituellement. Voilà, autrement. Elle me donne l'argent spirituellement. À quelle heure? À partir de minuit 30. Elle vient où? Dans l'eau. Tu parles là, tu veux dans l'eau? Dans ses oreilles. Tu parles là, tu veux dans l'eau? Je sais même si j'entre dans l'eau, même si un papa, elle vient. Elle vient chez toi? Oui. Parce que... Dans les maisons où j'ai, il y a toujours l'eau en bas. Mm-hmm. Nos maisons ont toujours l'eau en bas. La reine est là. Quand les gens regardent, est-ce qu'ils peuvent voir l'eau là physiquement? Il y a l'eau, c'est comme une petite... Oui, les gens voient. C'est comme quoi? C'est l'eau. Comme une petite place que tu as fait. Il y a toujours une place dans la maison où il y a un eau qui passe. Dans la cour, même les gens voient. Mm-hmm. Et c'est l'eau là que tu utilises? Oui, là où il n'y a pas l'eau, tu mets la sède là, tu mets l'eau dedans. Mm-hmm. Tu mets l'assiette là, tu mets l'eau dedans. Elle vient dans l'assiette là. Et quand elle te donne l'argent là, est-ce que tu peux aller avec physiquement, tu mets en bas? Oui. Hein? Oui. Tu comptes jusqu'à tu peux mettre en bas? Oui. God for Jesus. Powerful revelations. Being on top of here in this projector. Revelations from above. On top of here by the power in the name of Jesus. Maintenant, Marabout, tu fais, à part de laver la chance, tu fais encore quoi? J'attache les gens avec le cadenas. Tu fais quoi? J'attache les gens avec le cadenas. Fais comme ça. Et fais comme tu attaches là, on comprend comment tu fais. Vas-y. J'appelle ton nom, je prends le fil noir. Mm-hmm. J'attache, je fais les incantations. J'attache, je fais les incantations sur quelqu'un, tu attaches, je vois maintenant. Vas-y. Tu dis ce que la personne... Tu ne veux pas que la personne soit. Tu veux que tu sois pauvre, je veux que tu souffres, je veux que tu fasses comme ça. Tu attaches maintenant avec le fil noir. Tu gardes le cadenas là, en bas du lit. Parce que les enfants peuvent entrer, c'est ça. Où tu peux jeter dans l'eau? Pour qu'on ne le trouve jamais. On ne détache pas. Et quand tu fais comme ça, quand tu fais les incantations, qui peut agir pour toi? C'est la reine mère. C'est la reine mère. Aïe, on a installé son spiritual secret. Anybody here that they have tied your lock, that they have tied you, that they have tied your blessing with a lock, let that lock catch fire. Fire! 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 Let it go, fire. Fire! Tu as attaché combien les gens? Je ne peux pas compter. Tu vas détacher tous ces gens que tu as attachés. Détachez-le. Détachez tous ces gens que tu as attachés. Donc, est-ce que ta reine mère sait que c'est grave maintenant? Elle connaît? Elle connaît. Détache d'abord les gens, là, on va parler cela. In the presence of our Lord Jesus Christ. Everything that was covered must be uncovered. Tu as détaché tout. Ta reine là, c'est que c'est grave maintenant. Hein? Tu connais. Elle est dans quelle eau? Elle est dans l'eau qui est dans ma maison. En bas de voilà, où tu vois? Elle est dans l'eau qui est dans ma maison. Derrière, c'est eau. Derrière? C'est eau. C'est eau. Oui. Où? À Bafoussam. À Bafoussam. Faut là-bas dans la maison là. Fais! On brûle ta reine avec le feu. Fais! Faut dans la maison là de l'essentiel. Le feu là-bas. Abavosa. Fais! Où ta reine là. Fais! Le feu. Fais! On brûle ta reine là. Fais! On brûle avec le feu. Fais! Le feu là-bas. Fais! Fire! 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 Fire!
Qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qui arrive à ta grand, à ta grand-mère, ah, elle là? Elle est où? Elle est où? Qu'est-ce qu'il a arrivé? Elle est brûlée. Hein? Elle brûle. Elle brûle. On te tue ta remède là. On tue ta remède là par le feu. Ta remède là par le feu. On te tue ça par le feu. Qu'est-ce qui est arrivé? Parle! Que? Hein? Le feu l'a brûlé. Elle est encore vivante là-bas? Elle est encore là-bas? Elle est où? Elle est partie où? Parle! Elle est partie, je ne la vois pas. Tu ne la vois pas dans l'eau là? Elle a déménagé. Ça va déménager. Then clap for Jesus Christ. Do you know what has just happened? Destinies and souls that were tied by that queen of the coast, they are loose now. As it has gone, they are loose. That is my main issue, to deliver land and deliver thousands of people. That is the grace of God upon my life. I come for territory, even as we are walking here. You don't know what is going on in the city. A lot, even our prayers, we are praying here, we don't pray publicly, but we have been praying here. But we know what God is doing. But I know after this crusade, there will be a lot of revival in this camp. Evelyn! Evelyn! Maintenant que ta puissance est partie, tu veux faire comment? C'est seulement parti, là où tu m'envoies. Hein? Que? Pas seulement là où tu m'envoies. Est-ce que tu as quoi? Je n'ai plus la puissance. Tu n'as plus la puissance. Oui. Tu ne peux pas aller à l'église. Oui. Evelyn, oui. Tu ne peux pas aller à l'église. Hein? Hein? Tu ne pars pas là-bas. Ok, sors. Debout! Vite! Sors! Debout! Sors. Tu pars là où tu veux partir, ça ne me regarde pas. Sors. Avant que je compte jusqu'à 3, Evelyn, tu es parti. 1, 2, au nom de Jésus-Christ. Clap for Jesus. Acclamez it is done. Clap for Jesus. C'est fait. Acclamez-vous Jésus. Jesus is Lord. Jésus est Seigneur. Debout. Qui reste maintenant? Qui reste? Hein? Tante. Tante. Tu as vu ce qui est arrivé aux autres? Tu as vu? Parle! Ah, j'ai vu! Tu as vu? Tu as vu ce qui est arrivé aux autres? Oui! Qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont partis en affaires. Ils sont partis en affaires. Qu'est-ce qui les a arrivés? Le feu les a brûlés. Donc, tu attends que quoi? Tu attends quoi? Tu veux qu'on te chasse encore? Tu n'as pas vu ce qui est arrivé aux autres? Aïe! Parti! Hein? Hein? Tu as vu? Oui. Tu peux résister? Aïe! C'est comment? Aïe! C'est comment? C'est fort, hein? Même la fille, c'est là. Aïe! Debout! Tante! Debout! Debout! Tante, quelle est ta source de puissance? Tu prends la pouvoir où? Aïe! Dans l'eau qui est en bas de ma maison, là. Ah, quelle maison? Où? Ah ben le chemin dans Punjé. Ah? Dans Punjé. Dans Punjé. Même là où elle est partie retirer, c'est bien. Là où? Quoi? Elle est partie retirer. Quoi? Hey. Quoi? Mmh. Ouais, le crâne, le crâne. Hein? Le crâne. Là où elle est partie faire quoi? Retirer le crâne là, je prends l'autre là. Là où elle est partie retirer le crâne là. Tu prends l'autre où? Là-bas. Sous le crâne là. Viens. Là-bas. Oui. Oui. Vous avez vu pourquoi cet esprit là a été attrapé? C'est parce que elle a mené le crâne là. Donc quand je prie maintenant pour le crâne là, c'est ça que ça l'a attrapé là-bas. Applaudissez pour le Seigneur. Maintenant, le crâne qu'elle allait prendre là. Tu prenais quoi là-bas? Non,
Hein? Prenez la puissance. Je passais sur ça. Uh-huh. Quand elle poussait sa tête là, je prends le manteau, je fais bouing, 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 bouing. Elle va détacher. Que quand elle fait quoi? Quand elle traite sa tête, uh-huh. Je passe sur le camp là, je prends mon manteau, je pèse son nom, je cogne boum, 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 dans sa tête là, boum. Sous le crâne. Oui. Tu colles la tête de crâne là. De la fille, sinon. Oui. Quand tu colles le crâne là, sa tête colle aussi. Oui, ça fait mal. Elle enlève tout sur sa tête. Tu ne pouvais même pas la voir avec les tresses. Aïe. Donc, aïe. Tu ne veux pas qu'elle se tresse. Elle fait trop le nanga. La sorcellerie est. Tu vois que la sorcellerie est stupide. C'est quoi? C'est stupide. Tu ne verras pas quand quelqu'un tire sa tête. Hein? Elle met la mèche ici. Elle mange comme ça. Hein? Elle s'habille bien. Hein? C'est quoi, mon mère? Donc, ça, la jalousie. Dans la Bible, c'est jealousy, c'est la witchcraft. La Bible dit que la jalousie est comme la sorcellerie. Maintenant qu'on a enlevé cette crâne-là, qu'est-ce qui va arriver à la famille? Aïe. Hein? Comment se marier? Voilà, on te voit. Le mari va venir maintenant avec la chèvre, on va prendre. Là, quoi? Le mari. Qui va venir quoi? Ils vont venir maintenant avec la chèvre, on va prendre. Qu'est-ce qui les a attachés de ne pas se marier? C'est le crâne là. C'est le crâne là. Qu'est-ce qui est attaché? Le crâne, quand il veut venir avec comme ça, on sent qu'il veut venir avec nous comme ça, on passe sur le crâne là. Quand il parle comme ça, l'argent finit, il n'a même plus là pour venir la chercher. Donc, c'est vous qui attachez que le mari ne vient pas avec la dot. Donc, le mari va venir avec la chèvre maintenant. Donc, quand il vient avec la chèvre, là, tu manges, ça ne te plaît pas. Qu'est-ce que ça vient? Hein? Qu'est-ce que ça vient? Vous tous qu'on attache vos mariages, soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Au nom de Jésus-Christ. Tu as venu quoi sur elle? Tout le serpent, les bagues, les chaînes, tout ça là. Pour qu'elle ne brille pas, c'était pour la noircie. C'est pour que? Pour la noircie. Pour qu'elle ne fait pas quoi? Qu'elle ne brille pas. Qu'elle ne brille pas. On la donne sur les choses. On la donne sur les choses. Honnête! Hey, je n'ai jamais vu un enfant honnête comme elle. C'est l'honnêteté. C'est l'honnêteté comme ça qui la tue. Even look, the girl's body has rashes, have all kinds of things. Si elle est honnête, ça te regarde avec quoi? Hein? Parle-moi. Quand elle est comme ça, elle est bénie, tout ce qu'elle fait marcher. Elle est trop honnête. Mais si elle voit que quelqu'un va se maléter, ça me connaît sur la personne, elle est trop honnête, trop gentille. Oui! Vous voyez que tu es là, tu dis que pourquoi je fais le bien et le bien ne te revient plus. On te paye pas le mal, non? Voilà, c'est pour ça, comprenez. Fais le bien autant que tu veux. Mais quand tu n'as pas Jésus-Christ, qui est le propriétaire de bien, rien ne va t'arriver. On se comprend? Quelqu'un qui fait le bien, les bonnes choses, il faut avoir Jésus-Christ. C'est lui qui est le propriétaire de quoi? De bon. Voilà. Jesus Christ is the proprietor of goodness. Jésus-Christ est le propriétaire du bien. Donc, si tu fais donc le bien et tu n'as pas le propriétaire, le bien ne peut pas te revenir. Et en plus, fais tout le bien que tu fais sur terre. Tu n'as pas Jésus-Christ, tu vas partir en enfer. J'ai compris? Donc, c'est très important de donner vos vies à Seigneur Jésus. Clap for Jesus, clap for Jesus. Acclamez-vous pour Jésus. Tente. Va, vite. Partez. Avant que gauche soit toi. Tente. Enlève toutes les choses que tu as mis sur elle, tu pars avec. Enlève tout. Enlève tout ce que tu as mis sur elle. Tu as mis quoi encore? Rien. Hein? Rien. Tu as enlevé tout? Rien. Hein? Tu avais mis quoi sur son ring? Au niveau de dos. Tu avais mis quoi là-bas? Hein? Tu avais mis quoi? L'os. Oui. Tu avais mis l'os là-bas pour quoi? Pourquoi elle ne travaille pas? Elle est de trop, les gens. Elle travaille aussi trop.
qu'elle fait un peu comme ça, son rein fait mal et s'asseoir. Elle ne travaille pas. Enlève ça. Pourquoi tu avais cassé ça là? Pourquoi tu avais cassé? Pourquoi tu avais cassé celle-là? Pourquoi? Pourquoi tu ne voyais pas? Hein? Pourquoi tu ne voyais pas? Tu crois que tu sais quoi? Pourquoi tu ne voyais pas? Que je ne voyais pas? Oui! Clap for Jesus Christ! Thank you! Yes! Yeah. Yes, yeah, je vais te montrer quelque chose. Yes! Yeah. Chez toi! Hein? Il y a un petit mamie en terre comme ça. Tu connais la petite mamie là, non? En terre là. C'est encore là-bas. Tu as mis quoi là-bas? Tu es à côté des bananiers. Tu es à côté des bananiers là. Tu as mis quoi là-bas? Aïe, tu as mis quoi là-bas? Sa sagesse. Sa sagesse. Pour son frère. Pour son frère. Oui. Tout est dedans là-bas. Je casse la mamie là. Je casse la mamie là. Je crains la mamie là. The call this thing is what? Safety pin. Les pingles. Tous les pingles là que je vois que tu as travaillé là-bas, tu as gardé. C'est pour faire quoi les pingles là? Aïe. C'est quoi? Tu veux faire quoi avec? Aïe. Tu as mis quoi là-bas? Aïe. Tu as mis quoi là-bas? Là. Oui. C'est quoi? Je pique les pingues là par le feu. Par le feu. Tente. Par le feu. Toi, tu sors souvent la nuit, hein? Tu te mets, tu parles, tu fais quelque chose avec la poudre, tu parles, ça peut faire quoi? Hein? Tu fais quoi? Mange comment tu fais? Il reste un. La chaîne que tu as attachée au ring là. Enlève ça. Enlève. Détachez. Détachez vite. Tu sors. Et tu ne reviens plus. C'est compris? Tu sors et tu ne reviens plus. C'est compris? Parle. Je ne vais plus. Parle. Dis que oui, monsieur. Oui, monsieur. Allez, prends tes bagages. Tu sors. On a un seul monsieur et c'est Jésus-Christ.
au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Appreciate Jesus. What a deliverance! What a deliverance! What a deliverance! This is the power of God. He has done it again. Il a encore fait. Jesus has done it again. Jésus l'a Elle est complètement libérée maintenant. Il va. C'est quoi? Tu cours quoi? Il y a quoi? Tu fuis quoi? Non, je cherchais seulement là où je voulais partir. Il y a quoi? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu dis que tu as les marabouts, tu as les tigres dans l'eau. Non, tu hey, non, papa. Hein? Tu n'as pas dit ça. Tu n'as pas dit que tu es belle. Oh, tu n'as pas dit à qui? André. André. Michel. Non, papa. Tu n'as pas dit ça, Evelyne. Tu n'as pas dit. Non, tu n'as pas dit que tu laves les gens. Non, papa. Tu t'es allé là, tu as dit que tu laves les gens, tu prends les chances. C'est pas toi qui as dit. Non, papa. Non, dit. Oh, tu es le tout ce que tu avais prévu, c'est revenu. Au nom de Jésus-Christ.